N'aurais-tu pas des difficultés à dire non aux personnes qui te demandent plein de choses Si, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan, alias le mal français. Je suis posé sur mon canapé. Vous avez vu une petite tête, en tout cas des oreilles qui sont en train de se pointer. C'est tout simplement ma chienne qui est à côté de moi. Je suis posé sur le canapé avec un café, c'est ce qu'elles sont d'ailleurs. Euh, nouvelle vidéo, j'avais envie de parler d'un sujet euh, euh, qui peut-être parfois. Qu'est-ce que tu sens en fait Qu'est-ce que tu veux Tu veux participer à la vidéo Bon. Euh, voilà, j'avais envie de traiter d'un sujet alors, qui m'a été soulevé par, euh, par l'un de vous dans, dans un commentaire. Euh, c'est euh, en gros il m'a un petit peu expliqué sa difficulté à dire euh, non euh, à des demandes qui lui sont faites de sa famille, de ses amis, voire même de, de ses collègues, enfin peu importe. Mais en gros il n'arrivait jamais à dire non. Et en fait c'était euh, mon cas également pendant euh, de nombreuses années euh, jusqu'à ce que j'ai appris à dire non, ou en tout cas jusqu'à ce que quelqu'un me dise Jonathan tu sais que tu peux dire non et il n'y a aucun problème à cela. Et c'est vrai que ça a décanté euh, pas mal de choses euh, chez moi. Euh, ça m'a donné aussi beaucoup plus de, de confiance. Donc, du coup, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous donner, voilà, comme ça, quelques tips, quelques conseils euh, pour que vous n'ayez plus peur de, de dire non. Alors, généralement, pourquoi on a peur de dire non Tout simplement parce qu'on a peur de décevoir, de blesser la personne qui nous demande quelque chose. Ou voire même de passer pour quelqu'un de froid, d'antipathique. Euh... Ouais. Donc du coup, on va plutôt tendance à avoir dire oui pour faire plaisir, alors que ça nous fait chier royalement de faire les choses. En tout cas, la chose qui nous est demandée. Et puis, il faut dire aussi que c'est un petit peu dans notre nature humaine de dire oui, parce que nous sommes quand même des êtres sociaux. Nous avons besoin de vivre entourés. Bon, alors moi, plus je vieillis, plus j'ai besoin d'être isolé, au contraire. Mais en tout cas, voilà, on a besoin d'être entouré, d'être bien vu des autres aussi. Et ben forcément, c'est en disant oui qu'on sera bien vu des autres. Bon, alors ça, c'est une, euh, une fausse idée. Hein. Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on est construit. Et pourtant, ça t'intéresse Et pourtant, pour moi, en fait, dire non, c'est aussi poser tes limites. Euh, les limites des choses que tu acceptes de faire, de ne pas faire et quelque part c’est se respecter soi-même. Alors déjà premier conseil qui va te permettre de plus facilement dire non. C’est pas parce que tu dis non à une personne que tu rejettes cette personne. En fait, tu es juste en train de lui dire que la chose que cette personne te demande de faire ne te convient pas. Et c'est complètement OK avec ça. Il n’y a aucun souci de dire non, ça ne me convient pas. J'ai pas envie de le faire, soit parce que j'ai pas le temps de le faire, soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que je j'ai pas les capacités de le faire. Bref, non, je n'ai pas envie de le faire. Et alors, si la personne se vexe parce que tu lui dis non, peut-être qu'il faut aussi revoir certaines choses avec cette personne-là. Parce que normalement, quand on dit non et qu'on explique pourquoi, la personne en face doit être en phase aussi de le comprendre. Ensuite, il sera plus facile de dire non si tu es clair et direct, c'est-à-dire si tu n'es pas en train de bafouiller, de donner X explications, enfin finalement de te perdre en fait dans ce que tu es en train de dire, parce que là la personne qui est en face va forcément sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a négociation possible et au bout d'un moment tu risques de lâcher et tu risques de dire oui alors que tu ne voudras absolument pas faire la chose. Donc voilà, quand tu as envie de dire non parce que quelque chose ne t'intéresse pas, tu pas envie de le faire, sois clair et direct, dis-le de façon franche mais franche, sans blesser la personne. franche, en disant non, je ne peux pas, non, je n'ai pas envie, non, je n'ai pas le temps. une autre manière aussi de pouvoir dire non, c'est pas de dire non, je veux pas, non, je ne peux pas, mais c'est de dire non, et derrière, tu vas apporter une solution à la personne. c'est à dire que tu vas quand même l'aider dans ce qu'il te demande. c'est pas de faire la tâche de façon concrète, mais c'est de, euh, euh, oui, de lui apporter une aide d'une manière euh, ou d'une autre. Je ne sais pas si je prends un exemple, euh, quelqu'un te demande de faire un déménagement. Et alors là, c'est généralement ce qui nous saoule le plus. Et il est quand même compliqué de dire non. Euh, dans ce cas-là, tu peux très bien dire non, je n'ai pas le temps. Non, je ne peux pas cette journée. Non, voilà. Mais en revanche, peut-être que je peux t'aider à, euh, à faire les cartons. Je peux t'aider à organiser la journée. Je peux t'aider pour si. Peut-être des choses qui seront moins impliquantes pour toi, qui vont te prendre moins de temps, si c'est une question de temps euh, pour laquelle tu dis non. Mais voilà, dans tous les cas, tu apportes quand même quelque chose à, à la personne qui te, demande, euh, bah, qui te demande de réaliser quelque chose. Et puis surtout, moi je pense que ce qui est important aussi et ce qui va te faciliter à te dire non, c'est qu'à un moment donné, tu dois quand même prioriser tes besoins. Et quand, on parle de, euh, quand je parle de prioriser ses besoins, c'est aussi te prioriser toi par rapport aux autres. C'est de ne pas t'effacer par rapport aux autres. C'est qu'à un moment donné, tu sais ce qui est important pour toi. Si tu n'as pas envie de faire la chose, si tu ne sens pas que, euh, enfin, si tu sens que ça va te, euh, te donner du stress, que ça va t'énerver, que ça va te stresser, enfin, t'angoisser, etc., pense avant tout à toi, à ton bien-être. Et du coup, c'est ça qui est le plus important. Donc, n'hésite pas à dire non quand ça va avoir un impact négatif pour toi. Enfin, tu passes quand même en premier avant les autres. Et c'est parce que tu passes avant les autres, que tu passes en premier, que tu pourras mieux les aider aussi par la suite. Donc voilà, c'est aussi une question d'être euh, honnête avec, euh, avec soi-même euh, et encore une fois de se respecter. Alors voilà, forcément, dire non, euh, ce n'est pas facile. Hein, euh, je dirais même que ça s'apprend. C'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Plus euh, tu oseras dire non, plus ce sera facile de dire non euh, par la suite. C'est quelque part comme un muscle qu'on travaille, en fait. C'est de l'entraînement. Et puis surtout, euh, bah quand tu vas dire non aux gens, ils vont aussi apprendre à te respecter. Donc peut-être que certains qui pouvaient abuser de toi en demandant des choses, euh, etc., bah peut-être aussi qu'ils vont se poser deux fois la question et ils vont se dire bah, peut-être que je ne vais pas lui demander. Bon, bah j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura donné quelques pistes pour pour t'aider à apprendre à dire non si tu es toujours dans euh, dans l'acceptation de tout ce qu'on te demande de faire. Euh, N'hésite pas à commenter cette vidéo. J'aimerais bien savoir toi ce que bah déjà ce que tu en penses, comment tu réagis par rapport à ça, comment tu apprends à dire non aussi euh, aux autres, euh, quelle astuce tu aurais à donner à, à d'autres mecs qui regardent cette cette vidéo. Euh, donc voilà, n'hésite donc pas à, à commenter, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne pour avoir euh, d'autres conseils. Et puis on peut se retrouver sur Instagram et Facebook pour me suivre au quotidien si ça t'intéresse. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!